Et bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, on repart de notre petit spot où on était posé là pendant 2 jours. Et objectif d'aujourd'hui, c'est quoi? Eh ben, on va faire nos petits services, voilà, nos petites courses. Voilà, faut qu'on aille refaire le plein d'eau, vider les eaux, les poubelles, les courses, et voilà. Et après, on remonte un peu direction le nord du Cotentin, si ça peut changer. Oui. On attend toujours des nouvelles du dentiste, donc on va rester pas trop loin, mais on va profiter un peu de faire tout le haut de la Manche. Là, il y a une grande boucle à faire et toi, t'as pas fait trop ce coin-là? Non. Moi, je connais un peu parce que j'étais au lycée par là, mais je connais pas tout, donc on va aller comme, se balader par là. J'attends aussi des nouvelles du dentiste qui est par là-bas, donc voilà. On va attendre par là et on va aller se balader un peu. On va sortir les fauves derrière. Là. Hein? Ah non, ils l'ont agrandi. Ah bah oui, il a fallu viser le canon. Bon ben on repart de notre petit spot. On est arrivé hier soir. On s'est posé sur une des plages du débarquement. Oui. On a emmené les enfants voir un peu tout ce qui concerne le débarquement en Normandie. Nous, on connaît ça par cœur parce qu'on y habitait pendant des années. Voilà, c'est ça. On a eu le droit à tout le cirque du débarquement tous les ans. On n'a pas voulu y aller au mois de juin avec les enfants parce que c'est juste un fait. Il y a trop de monde. Oui, c'est ça. Là, c'est bien plus sympa à aller voir. En plus, c'est vrai que Lucas est dans ces programmes-là au niveau Ça me permet de parler de ça par rapport à ces programmes d'école. Et puis, il adore ça. Mmh. Tout ce qui est militaire, la guerre. Donc, on a pu lui expliquer un peu tout ce qui s'est passé et voir en réalité
des conséquences de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc, c'était important. Et puis là, on reprend la route, direction normalement Saint-Vallaoug, c'est un peu plus haut. Et aujourd'hui, on a eu un coup de fil. Oui, j'ai enfin eu des nouvelles d'un hôpital qui va pouvoir me prendre pour arracher mes petites dents de sagesse. Voilà, donc rendez-vous lundi. Donc dans 4 jours, il faut qu'on soit sur Cherbourg. Donc on monte gentiment demain, enfin aujourd'hui et demain, je pense. Et puis voilà, comme ça, tu te fais arracher les dents. Et puis tu es tranquille. Eh oui. Tu vas manger de la soupe pendant une semaine. Et puis voilà. Oui, mais ça sera fait. Voilà. Donc tout s'arrange, comme quoi, faut être patient. Allez, ben nous, on reprend la route. Bon ben ça y est, on est arrivé sur notre spot, on vient de se poser, mais c'est pas un spot d'exception, hein. On est sur un petit parking d'un collège. Comme c'est les vacances, on va être tranquille ce soir, mais on a connu mieux comme spot. On devrait pas être embêté par les voisins par contre. Et demain, on va aller faire un tour sur Saint-Vallaoug. On a le tour de la digue à faire. C'est une digue maçonnée avec un phare au milieu. Donc on va aller voir ça. Et dimanche, a priori, il y a toute une journée organisée avec le feu d'artifice le soir. Donc on va aller se balader ce week-end par là. Bon, on se retrouve aujourd'hui. On va aller se balader un peu. Hop. Avant quoi? Avant ton opération, ma bichette? Allez, c'est parti, on va découvrir ça va. Your choice, girl.
viens en faire un tour à l'embée. Si tu cherches à me regretter, viens en faire un tour à l'embée. Si aux examens tu t'es planté, viens en faire un tour à l'embée. Si aux examens tu t'es planté, viens en faire un tour à l'embée. Si t'as quelque chose à fêter, viens en faire un tour à l'embée. Si t'as quelque chose à fêter, viens en faire un tour à l'embée. Il chouchène la volonté, viens en faire un tour à l'embée. Bon, bah alors nous, on est arrivé sur notre petit spot. On va faire un petit retour de Saint-Va qu'on a visité tout le week-end. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Bichette? C'est super, j'ai trouvé ça super. Ouais, c'était sympa. On a fait une belle balade. On a eu une belle vue. Ouais, heureusement que je t'ai pas dit ce qui t'attendait, parce que je sais pas si tu aurais été. Oui, parce que moi et le vide, j'aime pas ça du tout. Et on a passé sur une sur un ponton, hein, un mur, je sais pas trop comment on pourrait dire ça. Il y a, c'est ça, c'est un... Il y avait un le fort muret, principal, il y avait un chemin de ronde tout autour, et ils ont refait un deuxième muret surélevé, tu vois, 1 mètre, 1,50 mètre du sol. Mmh. Et donc d'un côté, on peut tomber côté ronde, qui servait, enfin au passage qui servait à faire les rondes, et de l'autre côté, c'était la mer. C'était la mer avec les petits rochers dessous. D'accord, donc moi je connaissais parce que j'y avais été enfant, mais dans mes souvenirs d'enfant, le mur était beaucoup plus large. Là, et en tant qu'adulte, on le voit plus comme ça. Oui, il est plus petit, hein. Il n'est pas très large et du coup... C'était pas super, enfin c'est pas du tout sécure. Non. Il n'y a aucune rambarde de chaque côté, il y a des moments le muret est un peu arrondi comme ça, donc faut peut-être pas y aller quand il pleut ou quand il y a des trop grosses marées, parce qu'il y en a eu, on finit vite par terre. Et il y a un moment, il n'y a plus de passage à pied, on est dans la... d'un côté c'est la fosse pleine de vases, bien agréable si on tombe dedans, et de l'autre côté c'est toujours la mer, la vue était magnifique. Oui. Moi j'avais ces souvenirs-là enfant, j'y allais avec mes parents, c'était chouette. Mais là, j'ai emmené du coup ma chérie et les enfants. Mais ils n'étaient pas hyper rassurés quand même. Non, pas du tout, je dirais même. Donc après, on a été au feu d'artifice. Oui, on a passé une super soirée. Ouais, un beau feu d'artifice sur le port. Il y avait un concert avant, un concert après. Donc, oui. Et franchement, j'ai trouvé ça... Ouais, pour une petite ville, je ne sais pas combien il y a d'habitants sur Saint-Va, c'est pas énorme, je pense, il y a peut-être 2 ou 3 000 habitants. Oui. C'est pas très grand. On a dansé et tout, c'était bien. Ah, les enfants se sont éclatés, là. Oui. Il y a longtemps qu'on avait vu Lucas se bouger les fesses comme ça. J'avais besoin de déstresser, donc c'était un bon truc pour déstresser, du coup. Qu'est-ce qu'on a pensé de Saint-Va, toi, Loulou? C'était trop bien, je me suis amusée comme un naze. Un naze? Oui. Qu'est-ce que t'as fait là? T'en as pensé quoi de la petite balade sur le mur près de la mer? Ouais, ça va, mais maman était pas rassurée. Est-ce que toi t'étais rassurée peut-être? Oui, ça va. Hein? Mais papa... Tu fais le fier là. Et papa il disait concentre-toi au lieu de parler. Bah oui, parce que si tu tombes... tu tombes d'un coup. Hein. Oui, c'est ça, il n'y a rien qui te rattrape après. Ça faisait au moins un mètre de haut et il y avait un passage à un moment, il y avait des rochers de chaque côté. Et puis le feu d'artifice, du coup? C'était trop bien. Ça. Ouais. Et les chansons, c'était pas terrible par contre. Si, il y avait même un groupe que j'adore, c'est Matt Matter. Ah bon, t'aimes bien ça toi? Oui, c'est trop bien. Ah, c'était de la musique il y avait un peu de notre époque, hein. C'était sympa. Il y avait de tout, c'était bien. Et toi, Loulou, qu'est-ce que t'en as pensé? C'était bien, ça va? Ouais, mais le mur, j'ai eu peur. T'as eu peur du mur? Ouais. Ah bon? T'avais peur de tomber dans l'eau? Oui. C'était dangereux, hein? Oui, parce que un gros mur et ça. Voilà. Un peu plus large quand même. Oui. Parce que là, on n'aurait pas marché dessus. Hein. Plus large, ouais. Ça. Puis après, il y a eu la musique. T'as dansé ou pas, toi? Ouais. Ouais, c'était bien la musique? Ouais, et la chanson à papa aussi.
Et est-ce que tu as vu le feu d'artifice? Ouais. Hein? Ça fait... Il y avait quoi comme couleur dans le feu d'artifice, tu te rappelles? Du rouge. Ouais. Du beige. Du beige? J'ai pas vu de beige, moi. Bah, avec maman, elle a vu du beige. Ah bon, on n'a pas dû regarder le même feu d'artifice, alors? Et toi, Laurine? Tu viens nous dire ce que tu en as pensé? Ça fait un peu de place à ta soeur. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Laurine, de la balade autour du fort de Saint-Va? Bien. Bien? T'as eu peur ou t'as pas eu peur? J'ai eu un peu peur quand on était sur le mur. Ah oui, hein, c'était... Ça aurait pu tomber. Hein. Ouais. Bon, t'as été courageuse, tu l'as fait quand même. Ouais. Et puis le feu d'artifice? C'était ouais. Pas bien ou c'était bien? Trop bien. Ouais. J'ai juste eu peur quand ça me Ah bah ça fait plein de bruit. Hein. Les lumières, ça pète. Et la musique, t'as pas aimé du coup? Si, j'ai dansé. T'as dansé toi? Oui. Non, t'as pas dansé? Si. Ah bon? T'aimes pas danser d'habitude? Si, j'ai dansé. Ah bon? Oui. Donc t'étais contente de ton week-end? Oui. Par contre, le lendemain, c'était moins drôle. Qu'est-ce qu'on a fait hier? Tu veux en parler? Ou c'est maman qu'on parle? C'est maman qu'on parle. Tu veux pas en parler? Non. Tu veux pas expliquer ce que maman est partie faire? Si. Si, bah vas-y, on t'écoute. Maman, il était... se faire arracher les dents. Ah bon? Oui. On a réussi à trouver... un médecin. Ah ouais, un dentiste. Pour les dents. Et du coup? Comment, maman, tu la voyais inquiète ou ça allait? Ça allait. Ça allait? T'es sûr que ça allait? Elle avait pas peur? Si, elle avait peur. Ah ouais, est-ce que, elle a dit quoi quand dans la salle d'attente? Ah non, j'y vais pas, on s'en va. Ouais. Ouais, hein? Il avait trop peur parce qu'à 6 ans, il en avait arraché. Ah ouais, elle a eu des dents d'arraché quand elle avait ton âge et elle gardait pas un bon souvenir du dentiste. Mais là, c'était... même pas un seul bruit. Non, on l'a même pas entendu crier, nous, dans la salle d'attente. Non. C'est dommage. Ouais, on est un peu déçu. Même pas des hurlements, comme ça, rien. Ouais, rien, même pas pleurer, rien. Et tu te rappelles combien de temps maman est partie? Pas beaucoup de temps. Ouais, on dirait quoi, 10 minutes, 15 minutes? Ouais. Et après? Bah... Après, Laurine, elle a éclaté de rire, en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'elle faisait hier, hein? Qu'est-ce que tu faisais? T'arrêtais pas de te moquer de maman? C'est comme ça. Hein? C'est moche de se moquer, hein? C'était trop marrant. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Ah ouais, maman s'est reposée hier après-midi. On a trouvé un petit spot en pleine nature où on est au calme. Ouais, on a même fait un... Ah, on a fait un barbecue ce soir. T'aimes pas ça, toi, le barbecue? Si. C'est pas bon. Si, c'était trop bon. Et du coup, maman, elle s'est reposée hier, un peu tantôt, et puis maintenant, elle pète le feu. Ouais. Ah. Il a rigolé, c'est pourquoi. Ouais. Hein? À table, il a rigolé. Ah, c'est Lucas qui faisait des grimaces dehors. Voilà, allez, tu peux aller jouer, ma puce. Donc voilà, ma bichette, ton opération s'est bien passée? Oui, c'est très bien passé, oui. Même pas de hurlement, je suis déçu, moi. Non, je suis tombée sur un chirurgien dentiste très gentil. Et voilà, il... Oui, ça a duré, ouais, 10 ça minutes. Ça a duré, oui, pas très longtemps. 10 je minutes j'ai... Oui. T'étais un peu dans le gaz hier, avec l'anesthésiant, et puis là, c'est bon, c'est fini? Oui, là, c'est bon, c'est reparti pour un tour, donc on va pouvoir... reprofiter. Voilà. Donc là, on s'est posé sur un petit spot tranquille. On va aller voir demain parce qu'on a un château juste en face de notre spot. Donc c'est pas mal. Et puis on va aller faire un tour dans le village, voir ce qu'il y a à visiter. Oui. Voilà pour les petites news. Bon, ben on vous fait à tous des bisous. Et puis on vous dit à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao. Ciao.
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le lien juste en dessous.